Affrontement des Nyripsa. Ce scalpel va tomber. Et j'ai une très mauvaise main de départ. Je vais vraiment juste aller prendre les deux jauges R. De son côté, il pioche. Il se soigne. Un scalpel haut, a priori, classique. Bon, ma main est toujours aussi horrible. Je vais devoir utiliser sort-feu, hein. Même si j'ai pas encore appliqué huilé, c'est dommage, mais je peux pas passer mes tours. Labo de son côté, très bien. Il l'avait probablement pas en main de départ. Ah, et il tape mon Noctu. Il me fera le premier coup de mêlée, c'est trop aimable. Je vais pouvoir y aller, mais j'aimerais limiter le nombre d'élixirs du labo. Je vais le taper avec le Noctu. Hop. Ah, un sort R pour lui. Ils se concentrent donc sur les procs de soins, même via plusieurs éléments, il semblerait. Oh, Angel! Pas mal. Il la place derrière lui. Elle a pas tapé, mais il la protège avec son héros. Je vais utiliser le sort R, je pense. Hein. En la repoussant, Angèle ne pourra pas me traverser et m'attaquer au prochain tour. Si j'ouvre pour lui et il me sort écho, logique, il est pas mal. Par contre, j'ai une belle zone là, je la rentabilise. Ok, c'est propre, écho quasi mort, tu es bien, il a plus de jauge. À son tour, un autre élixir. Et il consomme l'aura pour faire quelques dégâts de zone. C'est pas mal, mais il tue pas mon chouchou ailleurs. Hein. Bon, je prends la zone sans hésiter. Profite du drain. J'attaque, je suis bien là. Hein. Libère-moi de la tentation. Des sorts feu maintenant de son côté. Il est vraiment multi-élément celui-là. Bon, je pars en full agression, hein. Skull et on n'en parle plus. Labo R cette fois-ci pour lui, ça l'avancera pas à grand-chose.
GG, c'est la victoire pour moi. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12.